Et salut mes loulous, je vous retrouve pour la partie numéro 2 du coloriage des filles avec Angélique. Donc je vais basculer tout de suite sur la page, comme ça vous allez voir, et on va continuer. Alors, on est le même jour, j'ai juste un peu rangé mon appart parce que c'était le bordel avant sur le canapé. Mais bon, moi je suis comme ça en général, je sais jamais ce que je veux faire le jour même, alors je sors tout, je sors le coloriage en même temps, je sors le scrap. Je sors les diamond paintings, ça fait que je mets tout sur le canapé. Et après, je choisis ce que je vais faire. Voilà, donc, là, c'est bon, vous voyez bien. Je vais essayer, de finir cette fois-ci cette vidéo. Il serait peut-être temps. Pas aussi long que la dernière fois. 43 minutes, ça fait quand même un petit peu long. Donc, on va se bouger le CUL, hein, comme on dit. Cas où s'il y a des enfants qui regardent. Alors, on est toujours le vendredi 22, c'est le même jour. J'ai dit je colorie à la suite. Bon, bien sûr, vous n'aurez pas le jour même cette vidéo, vous l'aurez demain, je pense, la suite. Mais c'était pas mal. Ah non, non, pas la grosse pointe. J'aime pas les grosses pointes par contre. Alors, j'ai failli aller regarder la vidéo d'Angélique. Franchement, ça me démange d'aller voir ce qu'elle a fait. Mais bon, comme je vous ai dit, non, je ne veux pas aller la voir. Je veux avoir la surprise. Et voir vraiment le résultat qu'elle a fait, qu'elle a obtenu elle avec les quatre couleurs que je lui ai imposées. Parce que sinon, je vais être tentée aussi, je vais faire à peu près la même chose qu'elle après. Ça risque, donc c'est pas la peine. Le but, c'est pas de se copier, le but, c'est de faire un défi. Et donc de voir ce que chacune va mettre au niveau couleur. Et niveau espace et niveau endroit, quoi. Donc non, je résiste, je résiste, je résiste. Je ne vais pas voir la vidéo d'Angélique. Et je continue, moi, de mon côté, tranquille. Alors, je ne sais pas donc si elle aura pris les mêmes teintes de twin marker que moi. De toute façon, moi, un twin marker niveau vert et niveau bleu, bah, je sais pas comment je dis, quand j'en ai pas autant. Donc, j'ai pris ce que j'avais. J'ai que deux ou trois bleus, deux ou trois verts. J'ai pas énorme, énorme non plus. Donc, j'ai pris avec ce que j'ai. Mais bon, c'est quand même des choix. Des choix. What's up? Je ne sais plus parler. C'est quand même des couleurs que j'ai choisies à la base. Avec les 3-4 verres que j'avais, les 3-4 bleus que j'avais, j'ai dit hop, celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas. Et je suis partie donc sur des teintes, bien sûr, qui me plaisent. Par contre, comme je vous dis, ça m'énerve parce que ce jaune, a priori, je m'en étais déjà servi dans un autre colo, j'ai dû salir la pointe. Ça fait que le jaune qui sort, il n'est pas tout à fait bien jaune, il est un peu jaune avec un peu de vert. Dedans, ça m'énerve, ça fait pas super beau. Mais bon, tant pis. Ça fait un petit peu dégueu même, ça fait un petit peu cracra, quoi. Bon, cette fois-ci, Christelle, arrête de parler trop coloris. Sinon, mon coloriage, il sera jamais fini. Ah! Oh là 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 là, comme j'ai dépassé. Bon, ben c'est pas grave, hein. C'est pas grave, hein. Vous avez rien vu, hein. J'ai pas dépassé. J'ai pas dépassé, vous avez rien vu. Vous direz rien à la maîtresse, hein. Vous savez, comme quand on est gosse, là, et que les faillots de la classe, ils disaient, maîtresse, maîtresse, celui-là, il a fait une bêtise, celui-là, il a mal coloré son dessin. Vous me dénoncerez pas, j'espère, hein.
Soyez cool avec moi, hein. Moi je débute avec les feutres à alcool, hein. Je suis pas une experte comme Angélique a l'habitude de les prendre, hein. Moi, je débute avec, hein. Donc soyez cool, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce que je raconte pas comme conneries, franchement, non mais j'hallucine. J'ai même des morceaux un peu de diamant peinture, là, c'est un petit déchet. Alors désolé si ça fait un petit peu de bruit, le feutre, mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Je ne peux pas faire autrement là. Sinon, en ce moment, dites-moi qu'est-ce que vous regardez sur comme série ou comme film sur Netflix ou Amazon Prime si vous les avez. Moi, je suis dans deux séries en ce moment. Je regarde Dark. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit peu compliqué au départ à suivre parce qu'il y a quelques personnages principaux qu'on va suivre. Il y a pas mal de retours dans le passé, le présent et le futur. C'est dans une petite ville d'Allemagne. Il y a une faille temporelle qui se crée. Et grâce à cette faille temporelle, et ben les habitants, en passant par une grotte, parce que cette faille elle est dans une grotte, ils peuvent soit aller dans le passé, soit dans le futur. Et au départ, il y a des enfants qui vont disparaître. Quelques enfants qui vont disparaître. Avant que de savoir ben, qu'il y a cette faille-là. Et on va voir donc l'évolution des personnages, ce qu'ils vont devenir, s'ils vont réussir pour certains à retourner dans le monde présent, s'ils vont rester dans le passé, s'ils vont rester dans le futur. Et on va voir aussi toutes les conséquences eh bien, que tout ça emmène, quoi. Parce qu'il y a certains personnages, surtout là, certains de ces enfants qui disparaissent, qui sont retrouvés morts. D'autres qui sont retrouvés vivants, mais ils vont découvrir cette faille, ils vont découvrir ce passage temporel, ils vont aller dans le passé, dans le futur, ils vont modifier des choses du présent. Pareil, certains adultes, au bout d'un moment, ben, ils vont se rendre compte de cette faille qui est dans cette grotte. Alors, a priori, ben, d'après ce que j'ai compris, cette faille temporelle, elle est aussi créée à cause d'une centrale nucléaire qu'il y a dans la ville en question. Et c'est vraiment pas mal cette série parce que, comme je vous dis, on voit les personnages qui évoluent. Certains, on les voit qui arrivent à trouver cette faille en étant un enfant ou adulte et qui vont dans le passé, qui vont modifier carrément certaines choses, même du passé. Qui vont modifier des choses du passé, qui vont modifier donc par conséquence des choses du présent et du futur. Après, il y a certains personnages. Ça, j'ai trouvé ça super. Sans vraiment vous spoiler. Ils sont du futur, mais ils arrivent à aller dans le temps présent et sans se montrer. Petit à petit, on découvre ben, que ce personnage mystérieux, c'est un des enfants du présent. Enfin, c'est vraiment super comme série. Franchement, je vous la conseille. Comme je vous dis, au départ, il faut un petit peu s'accrocher quand même parce qu'il y a pas mal de personnages. Il y a quelques personnages principaux. Il faut suivre l'histoire. Il faut suivre cette énigme-là, donc avec cette faille. Mais c'est vraiment intéressant à découvrir, c'est vraiment intéressant à voir parce que c'est quelque chose, je me dis d'un côté, pourquoi pas, qui pourrait peut-être arriver. Parce qu'on connaît tous quand même, on ne connaît pas encore vraiment tous les conséquences que les centrales nucléaires ont sur nous, hein. Et les conséquences qu'ont les centrales sur la planète. Et sur le temps aussi.
Bon, sur la planète, on connaît quand même plus ou moins parce que bah, qui dit centrale nucléaire dit déchets nucléaires, hein, donc ça pollue la Terre. Donc c'est peut-être aussi lié à ça, ces failles temporelles. J'ai regardé franchement la première saison d'une traite. Là, je suis à la saison 2, je crois qu'il n'y a que 2 saisons pour l'instant. J'ai hâte, franchement, j'espère qu'ils vont faire une troisième saison. Je suis à la moitié de la deuxième saison. Il y a certaines choses, j'avais plus ou moins compris par rapport au personnage, comment il se comportait. Eh bien, que c'était que ce personnage était l'enfant du présent qui était adulte dans le futur. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, ça se regarde. C'est super agréable. Bon, c'est un petit peu lent, il n'y a pas d'action, il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a pas de choses comme ça. Hein. C'est quand même une série qui peut paraître ennuyante, qui peut paraître lente pour certains. Mais franchement, ça se suit comme rien du tout. Déjà 11 minutes, mais j'hallucine quoi. Et la deuxième série que je regarde en ce moment, c'est Perdu dans l'espace. Là, c'est la famille Robinson qui part dans l'espace parce que la Terre est tellement polluée, la Terre est tellement dans un état pitoyable que ben, la plupart des humains. Bon, ça, c'est dans le futur, hein. La plupart des humains qui ont été sélectionnés suite à des tests partent dans des vaisseaux spatiaux pour partir sur une autre planète, pour vivre sur une autre planète. Et malheureusement, la famille Robinson, leur voyage ne passe pas comme il faut. Il y a un problème. Ils atterrissent sur une autre planète et on va suivre tout leur parcours sur cette autre planète pour essayer, ben, de s'en sortir déjà, de survivre et de trouver des moyens pour repartir, pouvoir rejoindre les autres vaisseaux qui sont partis avant eux, quoi. C'est vraiment pas mal, c'est pas trop scientifique. Un peu quand même, ça explique certaines choses, mais ça va, on comprend. Il n'y a pas besoin, hein, d'avoir fait des grandes écoles, franchement, pour comprendre, c'est très accessible. Alors on suit cette famille, c'est vraiment pas mal. On voit les difficultés donc qu'ils éprouvent suite au crash de leur vaisseau spatial. Et comment ils font pour s'en sortir, quoi. Il y a cette série-là, donc ces deux séries-là que je regarde pour l'instant. Après, il y en a une autre, c'est Salvation. Je crois, si je me rappelle bien le titre qui me tente. Apparemment, c'est aussi un truc qui va se passer dans l'espace, suite à un virus sur la Terre aussi, je crois, d'après ce que j'ai vu. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais ça a l'air vraiment pas mal du tout aussi. Mais après, pendant le confinement, ben, la chose que j'ai fait aussi, j'ai regardé les 9 saisons de The Walking Dead. Alors au départ, je voulais pas trop les voir parce que je suis pas trop tout ce qui est zombie, trucs comme ça, j'aime pas trop. Parce que je me dis toujours que ce qui est zombie, ça pourrait arriver en vrai, alors que bon, je sais très bien que non, mais bon. J'ai toujours cette crainte. Mais j'ai quand même regardé les 9 saisons. Ben, j'avais commencé déjà à regarder les 3, 4 premières, les 4, 5 premières saisons. Avant le confinement, ben là, pendant le confinement, vu que je ne bossais pas, ben, je peux vous dire, j'en ai profité. J'ai fini de regarder toutes les saisons. La 10e saison, je sais qu'on peut déjà la trouver en streaming sur des sites de téléchargement légaux, mais elle est en version anglaise sous-titrée. Alors moi, je ne suis pas très très forte en anglais, donc j'ai pas envie pour l'instant de la regarder en anglais, même s'il y a les sous-titres. Enfin, je verrai bien parce que cette 10e saison là qui est sortie il n'y a pas longtemps aux États-Unis, j'ai trop envie de savoir certaines choses quand même. Même s'il y a une chose par rapport à un personnage, je le sais, on me l'a dit.
On m'a dit ce qui allait lui arriver, mais bon, ça, je m'en fous. Parce que c'est un personnage que j'aime moyennement dans cette série. Mais je ne vous dirai pas lequel, hein, parce qu'au cas où, ben, si vous n'avez pas regardé toutes les saisons de Walking Dead, vous n'allez pas. Vous allez pas voir, donc je ne vais pas vous spoiler. Alors, au départ, c'est vrai que côté zombie, ça me freinait un petit peu. Mais après, franchement, à force, on s'y fait. Et ce que j'aime bien aussi dans cette série The Walking Dead, c'est que tout qu'on fait, c'est pas basé que sur les zombies. Moi, c'est ce que je croyais au départ. Mais on voit aussi quand même beaucoup les relations entre les humains, entre les survivants. Comment ils font pour s'en sortir? Ce qui se passe entre eux, donc les interactions qu'ils ont entre eux. Il y a beaucoup aussi donc la notion de l'humain, du social. C'est là bah, qu'on voit comment est l'homme, hein, vraiment dans des situations comme ça. Est-ce qu'ils cèdent? Est-ce qu'ils vont céder entre eux? Est-ce qu'ils vont se faire la guerre? Et c'est vraiment pas mal parce qu'on voit tout ça. On voit le comportement des personnes. On voit aussi là, des fois, la vraie nature des gens. Si la personne va être courageuse, va être peureuse ou va être un suiveur ou un mouton. Si la personne va faire des choses pour le groupe, va s'investir ou va attendre que tout lui tombe comme un cheveu dans la soupe. Hein. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment ça. Au final, c'est vraiment sympa quand même cette série. Donc si c'est ce qui est zombie, si ça ne vous fait pas peur, ben, allez-y. Après, le film que j'ai vu récemment avec aussi des zombies, c'est World Z War. Bon, ça, ceux qui jouent aux jeux vidéo, normalement, je pense que vous connaissez parce que je sais qu'il est aussi un jeu vidéo. Parce que mon fils, il l'a. Ben, pareil, au départ, ben, il y a dedans, il y a un truc de zombie. Après, ce que je reproche dans certains films de zombies, que ce soit The Walking Dead ou celui-là, c'est que on ne sait pas comment les gens deviennent des zombies. C'est que tout à coup, tout se passait bien dans un pays, dans une ville ou plusieurs pays, et puis d'un coup, il y a des zombies qui commencent à apparaître, et pourquoi on ne sait pas quoi. C'est ça que je reproche un petit peu dans certains films de zombies. C'est que, ok, ouais, on sait qu'il va y avoir des zombies. Il y a des hypothèses qui sont avancées, que ça pourrait être un virus, que ça pourrait être ça, ça, ça ou ça, ou ça qui fait que les gens deviennent des zombies, mais au final, on ne sait jamais vraiment trop pourquoi, quoi, et ça, c'est dommage. Alors, c'est à nous, aux gens, de chercher, d'essayer de comprendre, de deviner, mais bon, c'est un petit peu con, je trouve. Alors, je regarde l'heure toujours. Donc, j'ai regardé ça comme film. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé un film marrant, mais je ne sais plus le titre. Genre, un scientifique qui a développé une machine. Pareil pour montrer que le temps n'est pas linéaire, qu'il y a un espace-temps et qu'il va se retrouver dans une sorte de grotte ou je sais pas quoi avec une femme qui a fait ses études aussi sur sa théorie. Ils vont se retrouver dans un monde, genre donc un monde parallèle. Où il y a des hommes primitifs, où il y a des dinosaures. Bon, c'est assez rigolo, mais c'est sans plus, quoi. C'est pas le truc de l'année, c'est pas le truc que vous retenez en général, hein. Mais c'était marrant, c'était sympa à voir. Je crois que c'était Le Monde pas tout à fait perdu ou un truc comme ça.
Après, j'ai vu pas mal de films aussi bah, pendant ce confinement, mais bon, j'ai pas tout noté de. J'aurais dû le faire d'ailleurs, comme ça j'aurais pu vous conseiller. J'ai maté aussi pas mal de séries. Là, je sais qu'il y a encore la saison 3 de Stranger Things que je dois regarder, que j'ai toujours pas regardé. Parce que j'avais adoré la saison 1, la saison 2 moyen. Et là, la saison 3, ben, c'est la fin. À moins qu'il fasse encore une suite, mais je ne pense pas. Que je dois regarder. Donc, j'avais regardé, je crois, un ou deux épisodes de cette saison 3. Et après, j'avais dit, oh, j'attends parce que c'est la dernière saison, peut-être, voire l'avant-dernière. Donc, je vais attendre un petit peu de nouveau avant de la. Avant de regarder, je vais garder la surprise pour plus tard. Donc j'ai encore celle-là à voir. J'ai regardé La Casa del Papel, enfin quelques épisodes, parce qu'apparemment ça fait le buzz, cette série, tout le monde adore. J'ai regardé, je crois, tous les épisodes de la saison 1. Et franchement, j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché. J'ai dit ouais, ok. Bon, c'est pas ma tasse de thé, franchement, cette série, donc j'ai laissé tomber. Et après, il y a plein d'autres saisons que. Enfin, saisons de séries que j'ai regardées, mais comme je vous dis, malheureusement, j'ai pas noté, j'aurais dû le faire, ça. Alors, vous aussi, dans les commentaires, ben, vous n'hésitez pas, hein. Vous me dites. Ce que vous avez fait pendant le confinement, est-ce que vous avez travaillé, sinon, est-ce que vous avez pu regarder des séries? Là, j'ai donc Netflix pour l'instant chez moi, j'ai Amazon Prime aussi vidéo. J'hésite à me mettre la chaîne Disney Plus là, parce que. J'adore tout ce qui est Walt Disney, c'est clair, mais bon, ça fait quand même encore une dizaine d'euros en plus à rajouter. Au bout d'un moment, je suis pas milliardaire non plus, donc je ne sais pas, je vais voir quoi. J'attends d'avoir le retour de certaines personnes sur cette chaîne. Si vraiment on me dit que c'est super Disney Plus, je le rajouterai, je le prendrai aussi en plus, mais pour l'instant, j'attends. Parce qu'entre Netflix, déjà Amazon Vidéo, il y a déjà pas mal de choses à faire, hein, il y a déjà pas mal de choses à voir, ou même à revoir. Ah, il y a une série aussi, par contre, j'ai vu sur Netflix, ça me tente super. C'est ce Viking. Donc sur des Vikings, autant des Vikings, ça a l'air génial cette série. J'en entends que du positif aussi. Donc celle-là, je vais me la mater, je pense, dans pas longtemps. Mais bon, voilà, pareil, hein, ben, quand on n'entend que du positif d'une série ou d'un film ou d'un livre, ben, après, on en attend beaucoup et souvent on est déçu. Donc je vais voir, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais regarder ça. Et vous, donc dites-moi, qu'est-ce que vous avez regardé? Écouter même aussi un niveau chanson ou lu pendant pendant ce confinement. Bon, c'est je mets encore du jaune là-bas, il y a un peu trop de jaune. Pas beaucoup de rouge. Alors toi, Angélique, je sais plus si tu m'avais dit donc que tu avais fait ce coloriage en une vidéo ou deux. Bah, comme dit, bah, je ne sais pas. Je n'irai pas voir. Hein, j'attends. Bah, essayer de ne pas dépasser cette fois-ci. Hein, ce serait mieux. Hein. Donc franchement, c'est super sympa de faire comme ça des défis avec d'autres personnes.
C'est comme ça, on choisit un coloriage, on choisit des couleurs imposées ou des couleurs libres, et après on voit le résultat de chacun ou de chacune. Franchement, c'est top. C'est vraiment top, je trouve, c'est vraiment sympa à faire. Je l'avais jamais fait avec personne d'autre pour l'instant, parce que c'est vrai que la plupart des autres chaînes que je suis en général, ben, c'est des chaînes littéraires. Donc il n'y en a pas beaucoup ben, qui font du coloriage aussi à côté, hein. À part Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi qui lui fait du coloriage, c'est vrai que faudrait peut-être que je voie une fois avec lui si ça l'intéresse de faire un comme ça aussi un défi. Un défi colo, ça serait peut-être pas mal. Bon, ben ça va, mon colo, il avance, quoi. Déjà 26 minutes, mais purée, mais c'est hallucinant, et ça passe trop vite. Et quand les feutres, ça passe trop, trop vite. Et là, franchement, je vais pas vous faire trois vidéos, hein, donc faut vraiment que je finisse celle-là. De toute façon, ben, celle-là, c'est clair, ça va pas être le soir même, vu que je vous ai posté déjà aujourd'hui la première partie du colo. Cette deuxième partie, ça sera demain. Demain ou dimanche. Ah, c'est un petit peu débordé. Bon, ben voilà. Quand tu t'appliques, tu essaies de faire attention. Et malgré ça, tu fais la. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que va faire Angélique. De voir aussi déjà quel jaune elle a choisi, quel bleu elle a choisi, etc. Y a un peu trop de jaune là-haut. Mais bon, c'est pas grave. Il y a un peu beaucoup même du jaune dans mon haut du coloriage. C'est un petit peu trop même, mais c'est pas grave. Alors, j'espère vraiment que ce nouveau format comme ça de vidéo défi coloriage va vous plaire. Et comme dit, ben, vous n'hésitez pas à participer si vous avez envie à me faire signe. Des fois, on ne sait plus quoi choisir, hein. Donc, ben, là, comme je vous ai dit, Angélique, je l'ai punie, hein. J'ai dit non, pas de rose, hors de question. Fini le rose, Angélique. Non, mais bon, comme je vous ai dit, je plaisante, hein, bien sûr. C'est clair que si elle m'avait dit oui, on peut pas mettre du rose, j'aurais pas dit non, hein. Je suis pas dégueulasse à ce point-là non plus, hein. Mais au moins, ça la fait sortir de sa zone de confort. Ça lui fait utiliser des couleurs qu'elle aime. Moyennement, comme le vert, je sais que le vert, elle est pas trop accro au vert. Au moins, elle fait autre chose, elle fait pas toujours les mêmes couleurs, ça change, ça fait pas de mal. Bon, ça avance tout doucement. Bon, ben ça va, j'ai plus que le bas là à faire.
et le cœur que je vais peut-être faire en rouge. Quoique, on verra. Général, c'est vrai qu'on a tendance à faire le cœur toujours rouge. Là, le faire d'une autre couleur, peut-être ça va. Ça changera peut-être, ça fera peut-être mieux. Enfin, je ne sais pas, on verra ça à la fin. Hein, on dit. Après, je sais pas si je vais faire le tout, je pense pas, ça m'étonnerait. Allez, allez, on arrive au bout. Enfin, j'arrive au bout encore ce petit morceau là. Franchement, j'apprécie vraiment de faire ce duo là, ce défi coloriage avec Angélique. Parce que c'est quelqu'un que j'ai découvert grâce à YouTube, que j'apprécie énormément, avec qui on devient ami de jour en jour, de plus ami de jour en jour. Je trouve ça super, franchement, je trouve ça top de développer des amitiés grâce à YouTube. Parce que oh, malheureusement, sur YouTube, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, comme partout. Mais là, Angélique, c'est une fille super. C'est une fille vraiment top. Petite famille au top. Franchement, j'espère que dans pas longtemps, quand ce sera un peu calmé, ce Covid-19, on pourra se rencontrer en vrai, hein, parce qu'on n'habite pas si loin l'une de l'autre. Enfin, faudrait que je regarde combien il y a de kilomètres à peu près jusqu'à chez elle. Mais pour l'instant, avec ce truc des 100 km, je ne sais pas si ça fait 100 km jusqu'à chez elle ou un peu plus ou un peu moins. Mais ce serait cool, franchement, qu'on se rencontre en vrai. Une fois que tout aura ouvert, là aussi, bien sûr, tout ce qui est café, resto, qu'on puisse aller se boire un truc quelque part, toutes les deux. Même avec toute sa famille aussi, franchement, ça me ferait plaisir. Et maintenant, voilà, j'en suis là. Il me reste le cœur. Eh bien, je vais le faire en rouge. Alors là, vous entendez peut-être un bruit. Je suis désolée, j'ai ma machine qui tourne dans la cuisine. Je suis pas. Qui est pas loin. J'espère que vous n'allez pas l'entendre. Oh, j'ai un petit peu dépassé. Mon Dieu. J'ai que les gosses, hein, qui je leur prends à dessiner. Ce serait vraiment super qu'on puisse se rencontrer en vrai. Mais bon, ça, pour l'instant, ben, faut attendre, hein. C'est mieux encore de prendre tout ce qui est précaution, de toute manière, ça c'est clair. Oh, j'ai débordé là, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai débordé le rouge sur le jaune, ça fait moche. Eh ben, tant pis. Vivement que ça se calme un peu au niveau de ce virus, qu'on puisse enfin refaire plus ou moins les choses d'avant. Tout ce qui est cinéma, bar, resto, les choses comme ça. Bon, après, je ne suis pas non plus tout le temps au resto, tout le temps dans les bars et au ciné. Mais c'est vrai que de temps en temps, franchement, de faire des sorties comme ça fait vraiment du bien. Et là, à part, ben, à part les grandes surfaces, à part les coiffeurs, à part les choses comme ça qui sont réouvertes, ouais, génial, quoi. Pour l'instant, tout ce qui est cinéma, concert, ben, tout est annulé, hein. Nous, en Alsace, à Colmar, chaque année, il y a la foire du vin. C'est un grand événement qui rassemble tous les viticulteurs. Ils nous présentent donc leur vin, ils nous présentent pas mal de choses. Il y a des représentations de voitures, enfin, pas de voitures, des fois de piscines, de fenêtres, de tracteurs, des choses comme ça. Et chaque année, à cette foire au vin, il y a toujours, pendant toute la durée de la foire au vin, il y a tous les soirs, il y a un spectacle différent.
avec des chanteurs, artistes différents. J'y suis déjà allée deux fois. Quand ça me plaît, bien sûr, quand c'est des choses qui me plaisent. Une fois, j'avais été voir Kassav, le groupe Kassav, parce que j'adore tout ce qui est musique folk, tout ce qui est musique qui bouge. Et la dernière fois que j'y suis allée, ben, c'était l'année dernière. Non, ou l'année d'avant, je ne sais plus. Non, l'année dernière, je crois, en 2019. Hein. Il y a Placebo qui était venu, le groupe Placebo. Alors franchement, ça, je suis fan de ce groupe. Même si je chante en anglais et que je ne suis pas super fortiche en anglais, je comprends pas toutes les phrases, c'est clair, mais bon, je comprends quand même pas mal de mots. Phrases, bah, même si on comprend pas tout, on peut réussir plus ou moins à comprendre. Et je m'étais éclaté, quoi, ces deux concerts, franchement, j'avais été avec des amis. Ouais, mais le top, quoi, franchement, c'est le top. Alors certains, ils se concertent, ça dépend des artistes qui viennent, bien sûr, ils sont pas donnés. D'autres, ça va encore, niveau prix, ça peut aller. Bon, Placebo, oui, c'était ça, la Placebo, c'était en 2019, j'avais été voir, c'est mes parents qui me... C'est ma mère qui me l'avait payé pour mon anniversaire, le concert. Je crois qu'elle avait payé dans les 45 ou 55 euros, un truc comme ça. Et Kassab, bon, ça c'était avec une amie aussi, j'avais été, franchement, c'était génial. Voilà, mais j'ai fini le coloriage au bout de 36 minutes, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et cette deuxième partie, ça sera publié, je pense, demain ou. Demain, au samedi, où ce sera publié dimanche. Alors, je vous montre derrière, hein, comme je vous dis, les feutres, quoi, ça transperce. Voilà, derrière, c'était deux baleines. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'il était aussi quand même sympa, mais bon, j'ai pas eu le temps de faire la photocopie, tant pis. C'est pas grave. Et voilà, donc, mon colo fini. Ça donne ça. J'espère que vous allez bien le voir. Maintenant, je suis impatiente de voir ce qu'elle va proposer Angélique. Si je mets un peu de lumière, ce sera peut-être mieux. Donc, il y a quelques endroits, j'ai un petit peu débordé, mais bon, ça va encore, ça se voit pas. C'est quoi? Voilà, mes loulous, c'est le premier défi de coloriage que j'ai fait avec quelqu'un que j'adore. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre de toute façon dans les commentaires. Bah, si ça vous a pas plu, bah, tant pis, je suis désolée, quoi. Mais c'est aussi des choses que j'ai envie de faire sur ma chaîne, que je vais vous proposer de temps en temps. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!